Hey yo les petits potes! Oh non, putain, je perds des abonnés. Je vais en gagner. Vous inquiétez pas. On est là, on va y arriver. Alors tout simplement aujourd'hui, qu'est-ce que je vais parler? Je vais faire un petit podcast, voilà, parce que j'avais envie de faire un podcast, j'avais envie de parler des cours, de ce qui se passait au collège, en fait, voilà. Donc sans plus attendre, c'est parti. Alors je vais vous raconter mes profs, voilà. Pour commencer, mes profs, il y en a qui sont vraiment moyens et il y en a qui sont vraiment cool. Genre tu peux vraiment apprécier le cours. Il est bien, il est gentil, il veut t'aider, il veut que tu aies des bonnes notes, il est là, c'est le sang de la bête. Enfin bref, je vais commencer par le premier prof, qui est le prof de maths. Alors, rien que ses cours, j'ai l'impression de vivre du chinois, parce que le mec, il fait comme ça. Donc aujourd'hui les enfants, nous allons faire le cours de maths, donc sans plus attendre, c'est parti. Donc... 1 plus 2 plus 4 fois 10 plus D plus C plus C monsieur. Fois 4 fois pi fois 62 90, 91, 100 plus 2 plus 4 plus 8 1 plus monsieur. 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 100 fois 1000 plus 4 fois 100 pi fois rayon de carré. Quel est le résultat? Les maths sont partis beaucoup trop loin depuis qu'on est en quatrième. Parce que ce que je viens de vous faire là, c'est ce qu'ils sont en train de nous faire exactement. Du coup, tout le monde galère dans la classe, qu'on n'a rien compris, aucune. Enfin bref, les profs de maths, une catastrophe. Ensuite, le prof de français. Alors le prof de français, c'est un peu particulier dans son cours, mais c'est bien. Tu vois, tu fais des petites lectures. Mais il y a un petit détail chez mon prof à moi, c'est qu'il dit tout le temps ce mot-là. Donc nous allons réviser le cours, c'est parti. Alors, bon, c'est une petite lecture de 20 phrases, donc j'espère que vous allez tous bien suivre, d'accord? Sans plus attendre, c'est parti, allez. Elle songeait au malheur du personnage, elle songeait au repas de midi, elle songeait aux voitures, bien sûr. Elle songeait, sans même savoir pourquoi elle songeait. Elle songeait pour son mari. Elle songeait pour la voiture. Elle songeait pour s'endormir. Elle songeait pour dormir. Elle songeait pour aventurer. Elle songeait pour regarder la télé. Elle songeait pour regarder la fenêtre. Elle songeait pour boire de l'eau. Elle songeait pour faire je ne sais pas quoi. Je sais pas ce qui se passe. Elle songeait quand même dans les précipices de son jurant. Oui, d'accord, on dit tout le temps la même chose. Oui, mesdames et messieurs, je parle de gloire. Oui, de gloire. Oh, madame, oh, le cours qu'on est en train de faire, là, il a un rapport avec le français? Oui, c'est cette question-là. Enfin bref, Matisse songeait, Bernard, l'ermite songeait, attention, la faute d'orthographe songeait un jour, la télé, le feutre jaune, ça compte aussi, notez-le tout de suite, c'est une bonne lecture. À toi, je veux t'écouter. Eh, attends, elle songeait. Oui, bon, voilà, c'est comme ça que ça se passe, bon. J'ai un petit peu abusé, mais d'un côté, c'est vraiment ça, tu vois. Il y a vraiment une part dans ta vie où tu sais pas si t'as un prof ou si t'as ta mère devant ou ton père. Ensuite, nous allons attaquer le prof de... Alors, attendez. C'est vous qui allez me dire quelle matière voulez-vous que je parle. Sur ce, mettez dans les commentaires. Et sur ce, à la prochaine fois.